Salut à tous, c'est Pixel. Bienvenue à bord de Steve Tram Tour Behind the Magic. Alors salut à tous et bienvenue à Disneyland Paris, derrière moi le carrousel de Lancelot. Aujourd'hui c'est une journée qui va être rythmée par le festival du Renon, je sais plus comment s'appelle la saison exactement, et du livre de la jungle, voilà. On va aller voir tout ça tout à l'heure à Frontierland si on le peut, si j'ai bien le temps, mais normalement tout devrait bien se passer. Voilà, c'est une saison que je découvre, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud, donc on va bien en profiter. De travail se sont allumés, on va attendre de repartir, on sait pas trop ce qui va se passer. On vous confirme, on va bien se faire évacuer. On a la scène à côté de Jack Sparrow comme vous l'avez vu et on va sortir de l'attraction Paris Coulisses. Nous voici devant le Frontierland Theater qui remplace donc le Chaparral Theater, le nouveau théâtre de Frontierland. On est arrivé trois quarts d'heure avant le début du spectacle, je pense que ça va suffire, c'est bon, là on va pouvoir rentrer, mais dans un petit moment. J'espère que le spectacle va vraiment être cool, je vous en reparlerai tout à l'heure.
retour pour ce spectacle. Donc on vient de sortir du Frontierland Theater où on a vu le spectacle du Roi Lion. C'était très positif. Je vais vous en parler dans un instant, on va tout détailler, tout décrypter ensemble. Le spectacle en lui-même ainsi que la salle sont tous deux de très grande qualité, on voit que ça a été parfaitement produit par Disney, qu'on a vraiment mis un énorme budget sur toute la création des effets spéciaux, de la scène, des costumes, il y a vraiment eu de l'effort qui a été mis en place. Tous les costumes ont été créés de toutes pièces, il ne s'agit pas des costumes des Disney characters comme on peut voir notamment avec Timon ou Rafiki par exemple. Ici, ce sont véritablement des performers qui en plus de ça vont chanter, c'est un effort qui mérite vraiment d'être souligné. En plus de cela, on distingue qu'il y a une ou deux chansons, je ne me rappelle plus exactement, qui ont été créées je crois spécialement pour le spectacle, en tout cas elles ne font pas partie du film de mémoire. Bien que le spectacle, je pense en lui-même, aurait pu être un peu plus amélioré. Et pourtant, malgré tout ça, on ne découvre rien de plus exactement que l'histoire du film que l'on connaît déjà. Il n'y a aucun dialogue, aucune narration. Et je dois dire également que certaines chansons, je pense notamment à Be Prepared, sont quand même pas mal sous-évaluées par rapport à ce qu'on aurait pu faire et ce qu'on pouvait attendre. On a vraiment renforcé la mise en scène, on a fait en sorte que ça ne passe pas inaperçu, bien sûr. Mais malheureusement, on verra bien que ce spectacle ne propose rien de neuf et rien de très créatif au final. Ce sera un spectacle qui sera très intéressant à voir et à revoir, bien sûr, mais je doute que ce soit l'expérience majeure et révolutionnaire d'une visite à Disneyland Paris, tant dans la nouveauté que dans l'impression faite aux spectateurs. Tâchons d'être un petit peu franc pour terminer, c'est un énième musical du Roi Lion comme Disney nous le propose. En définitive, c'est donc un spectacle très très sympathique, vraiment qui vaut le coup d'être vu, même si le summum du monopole Disney reste quand même chez Mickey le magicien, qui reste l'élite du divertissement Disney dans une salle. Voilà, ça n'aurait pas été le meilleur coup que j'ai vu avec le rôle. Voilà, ainsi s'achève cette belle journée à Disneyland Paris pour la saison du Roi Lion et du Livre de la Jungle, qui était vraiment très bonne, que je vous conseille. Il y a vraiment tout un tas d'animations assez diverses et variées, en grande quantité, avec un spectacle qui est non négligeable. Voilà, donc une très bonne journée, un été qui s'annonce plutôt pas mal pour Disneyland Paris. Voilà. Donc on se retrouve pour d'autres critiques cinéma, bien entendu, d'autres vidéos de Bienvenue à bord, je pense, qui viendront se compléter cet été. Peut-être encore à Disney, peut-être aussi au parc Astérix. Et je vous parlerai des projets à venir également pour l'an prochain, plus en détail, d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, voilà. Donc encore merci à tous de me suivre, je vous dis à très bientôt, et donc à la prochaine, bye !